Nous avons ici 20 éoliennes qui doivent tourner jour et nuit pour accomplir cette mission. D'abord, nous supervisons les machines à distance pour s'assurer qu'elles marchent tout le temps. Si jamais il y a une turbine qui tombe à l'arrêt pour une panne quelconque, ben nous avons des équipes qui interviennent. Ça peut être du dépannage sur de la partie électrique, mécanique, hydraulique ou aussi informatique. Toutes les éoliennes sont connectées à un service de supervision qui nous permet de surveiller en temps réel l'état des machines. C'est pour ça qu'on est assez réactif dans le moment et puis on essaie de trouver une solution rapide. Avec l'écran de supervision, on arrive à voir les éoliennes qui tournent ou qui ne tournent pas, s'il y a eu des pannes pendant la nuit. On doit préparer les outils, le matériel nécessaire et on va sur site pour réparer l'éolienne. On a monté du matériel pour un dépannage sur un slip ring qui était défectueux sur une éolienne. On dépose le matériel au sol et on le monte avec un palan. L'opération de remplacement de bus-bar, c'est du préventif. On avait déjà constaté dans le passé que ce bus-bar était à remplacer. Donc les bus-bars, c'est ce qui permet de descendre l'énergie de la génératrice jusqu'au convertisseur. Donc c'est des blocs de 3,50 m qui font une centaine de kilos. Après, on descend sur corde pour commencer le démontage du bus-bar. Ensuite, on a un palan électrique qui permet de tenir le bus-bar et on le remplace par un nouveau. Donc c'est une opération qui peut paraître simple comme ça, mais sur une pièce de 100 kg de 3,50 m sur corde, c'est pas simple et donc c'est une opération qui est assez impressionnante. On intervient sur un changement de ventilateur sur une éolienne. Juste après, on va vérifier l'échangeur. Donc ça se situe du coup en dehors de l'éolienne. Là, c'est vraiment à l'air libre et on garde la tête froide et puis on y va, quoi. Une qualité importante dans ce métier, c'est donc déjà l'esprit d'équipe, sachant que toutes les interventions sur site se font minimum à 2 personnes, voire 3 personnes, voire plus sur des grosses interventions. Et il faut surtout être flexible et s'adapter vraiment à la situation. On sait qu'il y a des risques liés à tout ce qui est électrique, mécanique, et le tout c'est d'avoir confiance en son collègue et garder ça en tête, que ce ne soit pas une habitude. Il faut être autonome, il faut savoir prendre des décisions et les bonnes décisions. On n'est pas toujours sur site, on passe aussi du temps au bureau, dans l'atelier, avec beaucoup de choses à faire, comme la gestion des pièces détachées, la réparation des pièces à l'atelier. Donc ces opérations-là, elles se font quand il y a du vent sur site et qu'on n'a pas de panne. C'est un travail atypique, surtout un milieu atypique, et c'est intéressant, tout est à jour, et je suis content de travailler comme ça, surtout chez Boralex. Les capitales fondamental que nous avons dans l'entreprise, c'est le capital humain. Former des personnes à faire ce métier, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement, beaucoup de partage, beaucoup de formalisation du savoir-faire et des transmissions entre les différents collègues, entre les différentes bases, entre les différentes régions. Donc nous faisons tout cela et c'est ce qui amène la vraie valeur à l'entreprise.